Coucou ma beauté, j'espère toutes que vous allez toutes très bien. Voilà, je me répète aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai pas filmé. Donc ça fait un moment que j'ai pas parlé non plus correctement, on va t'en dire. Je suis ravie de vous retrouver tous et toutes après Noël, après ces excès qui me font bourgeonner. Oui, il y en a partout, des petits bourgeons, des trucs comme ça. J'espère que voilà, votre Noël s'est très très bien passé, que vous avez été hyper gâtés. Super content de vous retrouver en famille, entre amis, tout quoi. Moi je vous ai... vous m'avez beaucoup manqué, hein. Je n'ai pas changé, pas en 3 jours, non. On reste fidèle au poste, aussi déjanté que d'habitude. Coucou Candice, comment vas-tu? Alors, si vous voyez, IEZ, l'installation actuelle... De mon téléphone, je pense que vous rigoleriez. Voilà. Coucou Céline, coucou Mimi, coucou Solène, Audrey, Nathalie, avec tes petites lunettes. Oui, parce qu'à un moment donné, tu vois, on vieillit, donc il faut bien les mettre. Coucou Justine. Donc voilà, on va faire un live rapide, puisque les live masses continuent, vu que j'ai reçu des colis un petit peu en retard. Donc il y en a pour 2 jours, me semble-t-il. Aujourd'hui, ce sera Sandra. Bonsoir Justine. Coucou, je suis en train de me laver les cheveux. Je t'ai mis pour pas m'ennuyer, mais t'as raison, ma petite chérie. Coucou Magali, ma Fadoua et Céline. Donc, je voulais vous présenter quelques articles, vu que Sébastien a récupéré les colis qui étaient en retard à notre appartement. Du coup, je vais pouvoir les ouvrir avec vous. En tout cas, j'ai ouvert les packagings pour pouvoir vous montrer en gros ce que j'ai à vous montrer, quoi. Et vous ferez pas attention, je suis chez la belle-mère, donc les bruits environnants, voilà, je sais que c'est pénible, mais je suis pas chez moi, donc... Que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors, Céline, c'est simple. Coucou Emma, je vais vous présenter 5 petites choses chez Octoly que j'ai reçues. La première, c'est un rouge à lèvres Black Up, mais comme vous le savez... Je les adore. Je vais allumer là pour que vous voyez beaucoup mieux la teinte de ce rose. Qui juste, et vous le verrez certainement mieux dans le miroir. Il est juste... Oh, et c'est le GNT02. Coucou Ginny. Et vraiment, c'est un rouge à lèvres d'une beauté... Vraiment, ils tiennent vraiment bien. Alors, ils sont pas mat, ils sont glossy, mais au niveau sans transfert, j'émettais des doutes, mais franchement, ils sont vraiment transfert-proof. Donc, je leur ai demandé une teinte supplémentaire parce que j'avais des teintes très foncées jusqu'alors. Et ce rose-là me faisait beaucoup envie. Donc, la marque a accepté de me le renvoyer. Donc, je suis hyper contente. Et c'est un très joli rose, un peu fuchsia comme j'adore. Coucou Agnès, donc je suis ravie. Vraiment, ces références-là, je peux que vous les conseiller. Elles sont topissimes. Celles qui m'ont fait confiance jusqu'à présent n'ont jamais été déçues. Donc, quand je vous le dis, je vous le dis. Hein. Et vous avez un code de -20% que je vous remettrai en barre d'information pour pouvoir bénéficier justement sur la boutique en ligne de ces rouges à lèvres-là à -20%. Donc, clairement... ils sont vraiment pas plus chers qu'une autre marque de type Sephora, quoi. Et ils valent, mais clairement, l'investissement. Vraiment, 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 vraiment. Ensuite, un autre rouge à lèvres qui vaut son investissement. Vous savez que je vous ai parlé 20 millions de fois de Ben. Voilà, Ben. J'adore mon Ben, j'adore mon Ben. C'est de la marque SLA. Donc Sergio Louis Alvarez. Et voilà, ça se présente comme ceci. C'est une des nouvelles teintes qu'ils viennent de sortir. Coucou fleur féminine, ça va et toi ma belle? C'est une des nouvelles teintes qui viennent de sortir. C'est le 21, le Rob. Comme Robert Pattinson par exemple. Mais plus court comme Rob. Comme le frère des Kardashian. Et celui-ci est une teinte bien plus... c'est un rose. Alors, je ne sais pas si la luminosité
qu'elle va rendre grâce à cette beauté. Mais en gros, c'est un nude rosé hyper joli. Par contre, celui-ci est mat, complètement mat. Dès qu'il va sécher, il va être super confortable, super mat tout au long de la journée. Sur quelle boutique as-tu acheté les rouges à lèvres? Ça m'intéresse, je voudrais bénéficier du code promo. Alors, c'est tout simplement celui-ci sur la boutique de Black Up en ligne. Ça va bien, j'adore les couleurs. Ouais, et ceux-là, c'est sur... mais vous pouvez les trouver, celui-ci sur SLA, donc Serge Louis Alvarez en ligne. Et Black Up, tu peux le trouver aussi chez Sephora. Et il y a un code de moins 20% aussi chez Sephora pour ton produit préféré. Mais alors ceux-là, ils ont un confort de ouf. Enfin, les deux ont un confort de ouf. Celui-ci est vraiment mat. Il apparaît mat. Toute la journée, il reste mat. J'adorais Ben. J'ai adoré Ryan. Ryan. Ben. Je vous en ai rabâché. Au sujet de ces rouges à lèvres-là. Autant, voire plus que les Black Up. Vraiment deux marques que je surkiffe. Coucou Angélica. Et celui-ci, donc, c'est le Rob, le 21. Donc, je vous ferai de toute façon un make-up avec cette petite merveille. Ce sont vraiment des merveilles de rouge à lèvres. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu le comparais au râle liquide de Sephora, tu en penses quoi? Les râles liquides de Sephora ne tiennent pas toute la journée sur moi. Le Rob tient toute la journée sur moi. Celui-ci tient un petit peu moins parce que ça reste tout de même... en fait, vu que c'est une formule un peu glossy, il ne transfère pas. Mais au long de la journée, honnêtement, le robe va tenir beaucoup mieux puisque c'est un mat. Alors que celui-ci, il y a quand même la couche vernis qui va retirer une petite pellicule trop laquée, en fait, qui va te donner l'impression que la couleur est moins intense. Mais du coup, c'est vrai que si tu veux une couleur très intense... Le mat, si tu veux une couleur vibrante, mais en même temps, tu sais que l'aspect glossy va s'en aller dans la journée, mais tu vas avoir l'impression que la couleur est un peu estompée parce qu'elle va être absorbée aussi par la lèvre, ceux-là. Mais dans tous les cas, deux très belles références que j'adore. Voilà. Coucou Sèvres, ça va et toi? Bonsoir, soit. Mon Sephora est tout petit, il n'y a pas. Oh, mon cœur. Je suis désolée, Agnès. Ensuite, donc là, je les déballe, c'est des nouveautés. Hola, qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours de chez SLA. Vous savez que j'avais testé pas mal de leurs produits que je surkiffe, notamment l'enlumineur, notamment le Copacabana, le bronzer. Je trouve que c'est vraiment des super produits. Honnêtement, hein, ce sont vraiment des super produits. J'avais jamais vu le râle sans transfert effet gloss, à part les matte ink de Maybelline qui sont comme du latex. Oui, mais les matte ink ne sont pas du tout glossy. Alors que là, c'est glossy, mais c'est sans transfert. C'est-à-dire que là, t'as l'impression... je vais attendre que celui d'à côté soit complètement sec. Je vais passer mon doigt dessus. Tu verras à quel point c'est latex, enfin c'est glossy et sans transfert. Ça ne bougera pas. Alors que les matte ink de chez Maybelline n'ont pas du tout cet effet-là. Ils ont l'effet vraiment latex. Rouge à lèvres mat, mais en même temps, pas glossy, quoi. Donc, chez SLA, ils ont sorti une petite nouveauté que... Mediamo Sandra. Ok, Sandra ou non? Oh, t'as bien te diamas Sandra, non? Super beau, l'effet gloss sans transfert. C'est ça, en fait. Le truc, c'est ça, en fait. C'est que moi, je m'étais toujours rabattue sur les rouges à lèvres mat parce que c'était les seuls à rester en place. Tu vois, à pouvoir te durer toute une journée. Et les Black Up, c'est les seuls que je connais qui sont effet mouillé, effet glossy, effet rouge à lèvres bien mouillé, bien joli, sans transfert. Et je sais pas comment ils se sont débrouillés pour cette... j'adore ta montre, merci mon cœur. C'est une Ice Watch. Je sais pas comment ils sont débrouillés au niveau de la formulation pour que ça fonctionne, mais je vous jure que ça fonctionne vraiment bien. Et il y a d'autres aussi, influenceuses, qui sont convaincues par cette petite chose. Il n'y a pas que moi, donc ça me rassure que j'aime des choses qui sont en fait de la bombe. Voilà, pas que chez moi, quoi. Donc, ils m'ont envoyé un Silver Touch, donc c'est un gel pailleté argenté. Je vous montre. Mon Dieu, qu'il est beau! Oh là 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 là! Alors moi je suis une pie, tout ce qui brille pour moi c'est juste une aubaine, j'adore tout ce qui brille, vraiment vraiment.
Il est trop beau. Alors, il est argenté, mais en même temps, il est champagne. Comment te dire? Bravo pour les 12 000 euros, merci Mobich. Alors, qu'est-ce que ça rend? C'est un gel pailleté, certes. Il a un effet gel mouillé trop rigolo. Et ça donne ça. Donc un gel pailleté, vraiment pailleté. Je pense. Alors là, honnêtement, je pense que ça fait pas, ça rend pas grâce du tout au produit. Je suis vraiment désolée de cette luminosité vraiment médiocre. Je pense qu'on le verra quand même. Mais c'est pas franchement lui trop beau. Ouais, malheureusement, on le voit pas très très bien. Donc je vous ferai bien entendu un make-up de soirée avec ça. Parce que vraiment, 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 il est trop beau. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh. S'il est aussi beau que sur la photo, il rendait aussi beau, ça va juste être juste magnifique. Alors, la seule chose étant que je ne sais pas vraiment si il tiendra en eyeliner. Pour un œil glossy, c'est tendance. Ouais, tout à fait. On voit pas trop mal. Oh, ça va alors. Oui, Sandra, j'ai reçu mon baby. Du coup, vu qu'on en avait parlé, j'attendais que tu te connectes. Voilà, pour comme ça, je présente mes nouveautés avant ton ouverture de colis. Ça doit bien t'aller les paillettes. Oh, mais moi j'adore, hein. J'adore les palettes. Oh là là, j'ai peur. Mais non, mon cœur. Donc là, j'ouvre un autre produit. C'est un lip duo de chez MAC. Donc je remercie bien entendu la marque de m'avoir envoyé cette petite merveille. Puisque j'en entends parler depuis des années, des rétromates de chez MAC. Que ma mère m'en a. Enfin, elle m'en a acheté. Non! Elle se l'est acheté quand elle est allée au Canada. Et moi, elle n'a pas pensé à moi. Du coup, je suis trop dégoûtée. J'allais faire un bain avec masque selfie sur la tête. Eh ben non. Donc, c'est le Ruby Woo, la fameuse référence, voilà, dont on parle, mais partout. Je sais que ma petite ange, elle adore les rouges à lèvres MAC. Et si tu veux, c'est mon premier rétromat. Enfin, de la collection, si tu veux, comme ceci, comme celui-là, quoi. Donc, le Ruby Woo se présente comme ceci. C'est le rouge qui fait. Attendez. Parce que là, je trouve que en reflet, c'est beaucoup. C'est le rouge parfait, le Ruby Woo. Coucou, Nicolas. Ouais, c'est exactement ce que je pense. C'est un des rouges les plus mythiques de la marque. Les plus mythiques aussi dans le rouge à lèvres rouge. Dire, il y en a très peu des rouges à lèvres mythiques rouges. Il y a celui-ci, il y a le Coco Chanel aussi, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Et voilà, le Ruby Woo, c'est la référence à avoir en rouge dans votre garde rouge à lèvres, hein, on va dire. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il se présente ici. Le crayon. Alors, j'ai un peu peur. De plus, j'ai eu une carte cadeau Nocibé à Noël. Donc, autant vous dire que c'est sur Mac que ça va tomber cette année, hein, mon cadeau de Noël. Donc, je suis trop contente que la tante à Sébastien, elle est tablée sur ça parce que je vais pouvoir m'acheter du Mac. Voilà, je suis trop happy. Et vraiment trop happy. Trop beau, c'est clair. Le Dior aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu utilises souvent un crayon à lèvres quand tu mets une couleur comme ça? Alors, oui. Des couleurs comme ça, oui. Surtout. Les rouges à lèvres, bon, pas forcément mat, mais surtout les tirs, les normaux, les rouges à lèvres, coucou Sylvie, qu'on a tous en fait chez nous. Moi j'utilise le transparent de chez Neve Cosmetics en ce moment, et c'est vrai, je le montre pas vraiment en vidéo, mais il est transparent du coup. Ça évite pour certaines problématiques de personnes qui ont des mini ridules autour de la bouche que ça file dans les plis. Donc je suis méga heureuse pour. Ce rouge à lèvres, j'ai hâte de le tester. Vraiment, 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 je suis trop contente. Je remercie MAC de m'avoir fait confiance pour le tester parce que c'est juste. Mais MAC, j'adore, hein. Je vous le dis régulièrement. Le Paint Pot que je me suis acheté, vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. J'aurais dû pousser avant l'achat, mais je voulais pas commander juste pour ça. Après, j'ai commandé mon Fix Plus. Mon Fix Plus, ben, c'était juste pour ça. Et j'ai pas commandé autre chose que ça. Le Paintpot, voilà, j'ai pas. Voilà. Je me suis dit, oh, ce sera pour plus tard. Franchement, la grosse blague. J'aurais dû me lancer avant. Tu devrais essayer l'anti-cerne de MAC Pro Long Wear. C'est le meilleur anti-cerne de. Oh, j'ai eu. Non! Ne me tente pas!
Ne me tente pas. Donc voilà, je vais tester cette magnifique combo, enfin ce magnifique combo pour les lèvres et je verrai bien. Alors je pourrais pas le tester pour Nouvel An parce que je viens d'apprendre le thème du Nouvel An. Comment te dire? Avec le fameux pote qu'on n'a pas vu depuis un moment, qui nous a appelé pour lui dire ouais vas-y c'est chez nous que tu le fais, t'es obligé de venir. Ok. D'ailleurs c'est un gars que j'adore, donc je suis ravie de le faire avec lui. Et il nous a annoncé le thème paysan. Comment je sais pas, pote, côte de côte. Je sais pas, thème paysan, tu vois. La chemise à carreaux avec la paille dans les cheveux, tu vois. Paysan, quoi. Alors, je vais certainement me déguiser en bodin. Vous savez, les bodins, vous connaissez les bodins? Voilà, avec mon chapeau de paille. Enfin, bref, ça va être encore rigolo. Ensuite, et pour terminer avec les partenariats aujourd'hui, oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas montré un peu de partenariat. La bougie My Jolly Candle, vous savez, pas de make-up pour le thème paysan. Bye. Ou alors au charbon de bois, hein, comment te dire? Mets-toi en mode jacuzzi pour ce thème. Mais non, parce que là c'est encore pire, toi, de je veux pas. Donc voilà, My Jolly Candle en senteur cerisier, elle sent fleur de cerisier, pardon, elle sent super bon. Cette fois-ci, j'ai demandé des boucles d'oreilles parce que voilà, j'étais un peu déçue de la bague qui a perdu son strass. Donc je ne sais pas en fait si dès lors que ça vous arrive, parce que j'ai toujours pas eu de nouvelles de la part de la marque. Donc je vais voir un petit peu avec eux si ça vous arrive, ce qu'il est possible de faire. Si vous allez dans un Swarovski, est-ce qu'ils vous l'échangent? Je ne sais pas trop. Donc je verrai bien. Trop beau les rouges à lèvres, moi trop contente, j'ai reçu une grosse palette Sephora de la part de ma belle-mère, de ma belle-fille, je vais pouvoir m'amuser. Oh, t'as raison, un maquillage nude. Un nude avec le ruby woo, ça va être dur, hein, mon cœur. Hein. Donc, ah oui, avec le thème paysan, on verra, je vais peut-être m'éclater, tu sais, je vais faire du rouge à lèvres sur les joues et tout. Ah, ça va être fandard. Donc, voilà, cette jolie candle. Je vais m'empresser de la brûler, elle est trop magnifique. Bien entendu, le packaging aussi, vous le savez. Moi, j'adore ce style de choses-là. Parce qu'après, je mets mes petits pinceaux à l'intérieur dès lors que la bougie est consumée. Et voilà, et ça fait des super rangements, ces petites choses-là. Vous pouvez entreposer plein de choses. Vous pouvez ensuite mettre des fleurs dedans, des mini cactus dedans, des fleurs genre. Des petits arbustes, mais tout petits. T'auras qu'à faire le make-up de Shanna Cress. Ah, bah, je sais pas quel make-up elle fait d'habitude, mais bon. Mais c'est une fille que j'aime bien en plus, alors arrêtez. Bonsoir ma belle, comment vas-tu? Ça va Karima et toi? Ah, j'adore cette senteur. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. J'ai hâte de découvrir un petit peu le bijou à l'intérieur, voilà, pour vous en faire. Pour vous le présenter. Mais vraiment très belle. Moi, j'ai découvert cette marque cette année et c'est une de mes plus belles découvertes de l'année. Avec SLA, avec Black Up, avec surtout les palettes Black Up aussi. Enfin, vraiment, Black Up, ils font du. Enfin, voilà. Serge Louis Alvarez et Black Up cette année, ça m'a abasourdi tellement la qualité est là et le prix aussi est vraiment de la balle. Donc. Est-ce que vous souhaitez que je fasse que j'arrête le live là et qu'on se retrouve pour le live de Sandra? Parce que du coup, ça a quand même pris 18 minutes. Donc, on va peut-être couper là et refaire un live pour que ce soit deux vidéos avec deux thèmes différents pour pas perdre les gens en replay en fait. Parce que je me dis que ça va être un peu compliqué sinon. Donc, on va couper là et je reviens. Donc, je reviens tout de suite, hein. Avec le live, je changerai la miniature de la vidéo parce que je pensais pas que ça allait me faire 18 minutes quand même, la blague. Donc je coupe et je reviens tout de suite. J'espère que ça vous dérange pas. Et puis on se retrouve tout de suite pour du coup l'ouverture du colis de Sandra. Voilà. Attends.